La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe, affinché invii nuovi operai alla sua raccolta. Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo, Tommaso, Simone, Bartolomeo, Taddeo, Giacomo di Alfeo, Matteo, Giuda Iscariota. Voi sarete gli operai della messe. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Guardatevi dagli uomini perché vi condurranno nei sinedri e nelle loro sinagoghe vi flagelleranno. E davanti a governatori e re sarete portati a causa mia in testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi del come e di che parlerete, perché in quel momento vi sarà suggerito quanto dovrete dire. Professeur Agamben, on est en train de faire un documentaire sur la biopolitique et on s'est adressé à vous comme vous êtes un des principaux exposants qui sont intéressés à cette notion qui, si je ne me trompe, provient de Foucault. Mais vous, vous en avez traité un peu différemment. Vous avez introduit la notion de l'exception, d'exception du camp. Donc, qu'est-ce qui vous a fait s'intéresser à la biopolitique et qu'est-ce qu'il y a de différent que vous avez ajouté par rapport à Foucault ou à d'autres gens qui ont traité de ça? Bien sûr, la notion des biopolitiques et celle d'état d'exception, pour moi, sont liées. Et peut-être cela n'était pas chez Foucault. Et bien sûr, moi, je dirais bien sûr, la notion m'est venue de Foucault. Je lui dois ça entièrement. Mais en même temps, j'ai essayé de croiser les problèmes de la biopolitique, c'est-à-dire du fait que la vie est devenue l'enjeu de la politique, que la vie biologique est devenue l'enjeu de la politique, avec les problèmes de la souveraineté, avec les problèmes strictement politiques de la souveraineté. Mais c'est aussi pour cela, quand même, qu'il m'a semblé qu'il était nécessaire de nouer les problèmes biopolitiques au problème de l'état d'exception, qui était devenu peut-être les paradigmes, vous direz peut-être en votre langue grecque si belle, les nomos de la modernité. Voilà, ce que j'essayais de montrer donc, dans mes recherches, c'est que l'état d'exception qui était à l'origine conçu comme une mesure provisoire destinée à faire face à une émergence temporaire, est devenu la forme normale, la technique normale des gouvernements. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre la vie politique de nos sociétés dites démocratiques aujourd'hui si on ne se rend pas compte de ce que Benjamin avait déjà vu en 1940, c'est-à-dire que l'état d'exception est devenu la règle. Bien sûr, cela avait commencé déjà avec les premières guerres mondiales, où des états d'exception avaient été liés quand même à un état de guerre. Donc c'était différent. Et on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30, c'est-à-dire les régimes nazis, si on ne se souvient pas que Hitler, au moment de la prise du gouvernement du pouvoir en 1933, avait immédiatement proclamé un état d'exception qui n'a jamais été révoqué, donc qui a duré 12 ans. Donc, les régimes nazis
est un état d'exception qui a duré 12 ans. Et c'est cela qui explique ce qui s'est produit, hein, comment ces choses ont pu se produire. Mais aujourd'hui, c'est encore différent. Je crois qu'on atteint aujourd'hui à un développement ultérieur de ces paradigmes, dans le sens que l'état d'exception se diffuse au niveau de la planète et donc n'a plus besoin d'être déclaré. C'est une situation normale et qui change tous les concepts de la politique, parce qu'une fois que l'état d'exception devient la règle, et les droits internationaux, les droits intérieurs changent complètement. Et là, par exemple, si on prend la notion de sécurité, la notion de sécurité dont on parle tellement aujourd'hui, et qui est presque le mot d'ordre des gouvernements occidentaux, est une notion qui vient de l'état d'exception, c'est les saluts publics, la sécurité et tout ça. Mais là, Michel Foucault a très bien montré quelle est l'origine de ces notions, de cette notion. Et Foucault a montré que dans ses cours, que la notion de sécurité a été introduite dans la politique comme technique de gouvernement par les gouvernements physiocrates à la veille de la Révolution française. Quels étaient les problèmes de l'époque? Les problèmes de l'époque étaient les famines. Comment éviter que des famines se produisent? Et on n'y arrivait jamais. On amassait des céréales, hein, mais on n'y arrivait jamais. Et les physiocrates ont eu cette idée, peut-être on peut dire géniale: on va arrêter d'essayer d'éviter les famines. On va laisser que les famines se produisent. Mais après, on va être prêt, on va être en état de les gouverner, de les orienter, de les sécuriser dans une bonne direction. Or, il ne faut jamais oublier cela. Il y a encore des ingénus qui croient que les paradigmes de la sécurité visent à prévenir, par exemple, des actes de terrorisme. C'est absolument faux. L'idée, c'est plutôt, on va laisser que des catastrophes, des émergences se produisent, et même on va aider à que des émergences se produisent, parce que cela nous permettra d'intervenir dans ces émergences et de les gouverner dans le bon sens. Là, par exemple, la politique américaine depuis 20 ans, c'est clairement ça. C'est-à-dire, au contraire, elle ne va jamais éviter que des émergences, des études se produisent. Au contraire, on va faire que dans certaines régions de l'émergence et du désordre se produit. Mais après, on va en profiter pour l'orienter dans une direction sûre. Donc il ne faut pas croire qu'elle a suivi. D'ailleurs, je me rappelle que quand en 2001, à Gênes, en Italie, il y a eu des grands désordres au moment des G8, et bon, après, il y a eu des graves incidents avec la police, et il y a eu une enquête des juges qui ont interrogé un chef de la police, qu'il était lui aussi fâché, et il a dit: les gouvernements aujourd'hui ne veulent plus maintenir l'ordre, ils veulent gérer les désordres. Là, il faut bien comprendre, aujourd'hui, les gouvernements ne visent pas à maintenir l'ordre, mais à gérer les désordres. Et les désordres sont toujours là, on les voit, la crise, les désordres, l'émergence, l'état de nécessité, sont évoqués à tout instant. Mais après, justement, il s'agit d'intervenir. Et c'est pour ça que quand on voit aujourd'hui des phénomènes très intéressants, d'abord ce qui s'est produit en Grèce, mais après ce qui s'est produit en Tunisie, en Égypte, c'est des choses évidemment très bonnes. Mais il ne faut pas oublier que les pouvoirs qu'on a en face de cela, c'est un pouvoir qui savait que des émergences, des désordres peuvent se produire, et qui vont donc chercher d'orienter, de gérer ces désordres dans une direction qu'ils estiment utile. Donc ça, c'est une idée de stratégie liée peut-être à l'idée des arts martiaux orientaux, ou non? Vous appelez ça des arts martiaux d'Orient? Ou vous voyez une relation où on peut rester tombé? Je ne sais pas s'il y a une liaison, c'est possible. Dans le karaté, par exemple, où on laisse l'adversaire vous frapper, oui. Puis on canalise. Je ne sais pas si c'est ça qui les a inspirés. C'est sûrement ce que Foucault a montré, c'est que c'était devenu déjà
avec les physiocrates une technique des gouvernements. Et ça nous permet à lier cette idée de gérance avec la crise financière, surtout comme qui est née, les physiocrates, ça concernait l'économie, ce qu'on appelle l'économie. Donc cette crise financière est aussi comprise dans cette idée de gérer le résultat des émergences. Oui, tout à fait. D'abord, il ne faut jamais oublier les mots économie. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? En grec, comme vous savez, l'économie, c'était la gestion de la maison, l'administration de la maison. C'était une question de gestion des... En effet, dans un bon vocabulaire grec, anglais, vous trouverez economia égale management. Et donc l'économie, c'est toujours une question de gouvernement. Il s'agit de gouverner des biens, des hommes, des finances. Non, l'économie, c'est toujours une science du gouvernement. Il ne faut pas croire que c'est une science. C'est une science... mais qui est une technique de gouvernement. Et là, par exemple, oui, on voit les mêmes paradigmes qui se produisent, la crise permanente. La crise permanente, c'est encore une forme de cela. Donc, il n'y a jamais des situations normales, il n'y a jamais des situations ordonnées, et peut-être une crise qui va se produire, qu'on va essayer d'éviter. La crise est devenue tellement interne au mécanisme qu'elle est toujours là. Et c'est exactement comme la sécurité, l'émergence, les dangers, il est toujours là et donc il fait partie de la machine. Donc on peut dire que dans les paradigmes gouvernementaux qui règlent aujourd'hui nos pays, nos sociétés, l'exception, l'émergence, le désordre, la crise, la sécurité, et il faut cesser de les croire comme des circonstances exceptionnelles. C'est au contraire les noyaux internes de la machine, c'est le mécanisme interne de la machine. Comment est-ce qu'on peut penser une stratégie, si on peut utiliser ce terme, de ceux qui sont soumis à ce pouvoir? Or, le pouvoir laisse les événements arriver et puis il gère. Donc, nous, du côté de l'événement, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette stratégie du pouvoir? Bien sûr, ce n'est pas moi de donner des recettes, mais ce que je voulais dire, ce que je dis avant, c'est quand même clair, dans le sens que si la situation est telle qu'on a dit, et donc il ne faut pas croire qu'on peut jouer clairement un pôle contre l'autre, je ne sais pas, le désordre contre l'ordre, la subversion contre le pouvoir, puisqu'on a en face un pouvoir qui prévoit déjà la crise, la subversion comme un élément de calculé, donc qui fait partie du calcul. Donc cela ne rend pas du tout impossible, je veux dire, sauf il faut être beaucoup plus attentif lorsqu'on élabore une stratégie, parce que donc la stratégie doit savoir qu'on a en face, d'habitude, ou surtout dans nos pays, un pouvoir qui, justement, sait gérer les désordres, vise à gérer les désordres. Donc la stratégie est plus compliquée. Oui, ce n'est pas la loi abstraite et les règles abstraites, c'est la gestion Mais aujourd'hui, il est clair, le paradigme n'est plus la loi, c'est la gestion. La mesure, ça c'est un autre grand changement. Il ne faut pas croire que, bien sûr, la loi est toujours là, mais les pôles gestion, les pôles, donc à chaque instant on va voir, selon les problèmes, selon les situations, quel outil, quelle norme on va employer, quelle mesure on va employer. C'est pour ça qu'aujourd'hui ce n'est pas la loi, mais plutôt la mesure. La mesure d'urgence, les décrets, la police, l'intervention. Mais cela dit, moi je suis convaincu que la machine politique, et peut-être non seulement politique de notre culture, est toujours double. Elle a toujours une double polarité. Donc quand je dis qu'aujourd'hui ce n'est plus la loi qui domine, mais elle reste là. On n'est pas dans un régime parce qu'autrement on n'aurait plus de droit, on n'aurait plus de loi. Non, c'est un paradigme double, sauf qu'il y a des pôles, donc des faces, loi, gestion, on pourrait dire dans la terminologie de Carl Schmitt, règne et gouvernement. Non, les rois règnent mais ne gouvernent pas. C'est une chose qu'on a beaucoup dit. On a toujours, ça c'est des choses très importantes, on a toujours cru, non, les gens qui se sont occupés des philosophies politiques ou des théories politiques, de Rousseau jusqu'à aujourd'hui, on a toujours pensé l'important c'est le souverain.
les côtés règnes, par exemple les peuples, que c'est qui dans la démocratie est le souverain et qui légifère. Et après, il y a les gouvernements qu'on appelait pouvoir exécutif et qu'on croyait que c'était tout compte fait secondaire, n'est fait qu'appliquer. Or ça, c'est complètement faux. On n'a pas compris que la machine est double et qu'aujourd'hui, au contraire, c'est le pôle gouvernement exécutif qui domine sur l'autre. L'autre est là, mais n'est fait qu'est ratifié. Là, on voit très bien les parlements. Par exemple, en Italie, c'est clair, mais je crois que c'est partout comme ça. Les gouvernements, les parlements, aujourd'hui, ne font plus que ratifier des décrets d'urgence pris par le gouvernement, qui sont transformés en loi, on dit. Donc, mais là, on voit bien, c'est l'exécutif qui légifère. Mais ça, c'est une chose qu'on ne dit pas. Tout le monde le sait. Là, n'importe quel juriste sait parfaitement que c'est comme ça. Mais on fait semblant qu'il y a toujours le pouvoir souverain, le peuple souverain, et l'exécutif ne fait qu'exécuter la volonté du peuple. C'est exactement le contraire. Les représentants du peuple ne font qu'exécuter la volonté de l'exécutif. Mais c'est la fiction de la souveraineté qui... Mais l'épaule reste double, ce que je voulais dire. Donc il n'est pas facile, donc, de... Il ne faut pas croire, face à la situation de l'état d'exception dont on parlait, il ne faut pas croire qu'on puisse revenir en arrière du côté du droit. Bon, là, il y a eu cette perversion. Là, on va rétablir la loi, le règne de la loi et la norme, et régler les problèmes. Je ne crois pas que ce soit possible, parce qu'on oublie que, non, que la machine était double, qu'un côté n'était pas sans l'autre. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse revenir de l'état d'exception à un état de droit. Parce que l'état de droit prévoyait l'exception comme noyau ultime. Et là, on le voit très clairement. Là, quand je parlais de ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30, tout a été rendu possible par le fait que la constitution démocratique de Weimar comportait un article, l'article 48, qui prévoyait que le président du Reich pouvait suspendre la Constitution, certains articles de la Constitution, dans un cas d'urgence, etc. Et donc là, on voit bien, le mécanisme est là. Donc je ne crois pas qu'on puisse revenir en arrière. Il faudra essayer d'agir sur les deux pôles. Il faut désactiver la machine, pas jouer un pôle contre l'autre. Et on ne peut pas revenir à quelque chose de connu, de sûr. Il faut inventer peut-être quelque chose de nouveau. Si, je ne crois pas. Là, c'est presque un siècle que cela dure, parce que c'est commencé avec les guerres mondiales et tout ça. Je vois mal aujourd'hui croire qu'on puisse... Ah, mais l'état des droits est toujours là, on va revenir à une constitution saine. Ça ne se produit jamais. Il faut, je crois, un tiers. Si la machine est double, il faut un tiers. Mais là, je crois que c'est partout dans notre... Ce n'est pas simplement la politique, c'est même la culture, la philosophie de l'Occident marche toujours par dichotomie. Même dans l'ontologie, il y a être, sens, existence. En politique, il y a règne, gouvernement, règle, exception, pouvoir constituant, pouvoir constitué. C'est toujours des couples. Et ce qui arrive, c'est que des gens vont essayer de jouer... Quand il y a un pôle qui devient tyrannique, on va s'appuyer sur l'autre pour le jouer contre l'autre. Tactiquement, ça peut être très utile, mais stratégiquement, à la fin, c'est stérile. Parce que ce qu'il faut faire, c'est désactiver la machine sur les deux pôles et voir si un tiers, quelque chose d'autre va apparaître... se dégage dans cette suspension. C'est pour ça que vous êtes un peu intéressé à l'œuvre de Deleuze et Guattari, parce que j'ai entendu hier dans le séminaire vous référer à Mille Plateaux et des références là. Donc Deleuze et Guattari ont essayé justement d'éroser ce binarisme pluriel. Donc, qu'est-ce que vous a attiré dans Mille Plateaux? Bon, moi, j'ai une admiration immense pour Deleuze, bien sûr, mais en l'occurrence, dans les cas que vous évoquez, ce qui m'intéressait, c'est que je suis en train de faire une recherche sur les commandements. Qu'est-ce qu'un commandement et pourquoi les hommes commandent? Pourquoi il y a commandement?
Et c'est étrangement, je me suis aperçu que c'était un problème qu'on n'avait pas posé dans l'histoire de la philosophie. Il n'y a rien sur ça, ou presque. On avait toujours pensé, il y a beaucoup de réflexions sur l'obéissance, sur pourquoi les hommes obéissent. Déjà à partir du traité de la Boétie sur l'obéissance, là, et c'est très intéressant là aussi, mais il me semble que c'est insuffisant parce qu'on ne peut pas expliquer l'obéissance, et on ne peut pas comprendre l'obéissance si il n'y a pas les commandements, parce qu'il y a obéissance face à un commandement, obéissance ou désobéissance. Donc l'obéissance présuppose les commandements. Et comme je vous disais, j'étais étonné de voir qu'il n'y avait rien, il n'y avait presque rien. Mais justement, il y avait heureusement une exception, il y a un chapitre d'Émile Plateau, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le chapitre sur le langage en tant que mot d'ordre. Et c'est exactement ça, là l'idée c'est limité au problème du langage, mais c'est quand même le problème du commandement, parce que d'ailleurs, le commandement a toujours une forme langagère, il faut commander, il faut de l'impératif, c'est le problème de l'impératif. Et là, c'est très intéressant, ce que dit Deleuze, il faut cesser de croire que le langage vise uniquement à la communication, que le langage soit un système de signes pour se transmettre par des signifiants, des signifiés, pour se donner des informations et tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Le langage n'est qu'un système de mots d'ordre. Ne sert qu'à produire et faire circuler donc des commandements. C'est ça exactement mon problème. Et là, il a raison. Par exemple, il est clair qu'entre Jean marche et marche Jean, apparemment, le contenu sémantique est le même, mais complètement différent dans un contexte pragmatique qui change complètement. Et ce que Deleuze dit, le langage, c'est ce deuxième aspect. Le langage, c'est toujours des ordres, des commandements. Et dans toutes les. C'est le côté pragmatique qui domine. Et là, j'ai trouvé une réflexion très intéressante parce que, en effet, c'est ça. Et pourquoi. Quelle est l'efficacité, l'efficace d'un commandement? Pourquoi le commandement a une telle force? Même si la seule force se réduit au fait qui, comme disent les linguistes, vous met face à l'alternative entre obéir et désobéir. Vous recevez un commandement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on se trouve devant dans une situation nouvelle, on doit soit obéir, soit désobéir. Mais c'est quand même déjà un énorme changement. Voilà pourquoi, ce que j'essayais de comprendre, pourquoi le langage a cette force. Et voilà, c'est pour ça que je me servais aussi de Deleuze, et pour essayer de comprendre cette force unique du langage qui, tout en restant une chose incorporelle, peut agir sur le corps. Par exemple, si vous réfléchissez, la loi, ça c'est évident dans les domaines du droit et de la religion. Dans les anciennes lois des 12 tables, donc le plus ancien document juridique de Rome, ont toujours cette forme. Si quelqu'un fait cela, après l'impératif, sacer esto. Si un homme tue un autre homme, paricidas esto. Uniquement une formule, donc une formule langagère, incorporelle, qui va produire des changements immenses dans les corps du sujet, puisque l'homme sacré était quelqu'un que tout le monde pouvait tuer sans commettre un délit, par exemple. Periquitas esto, ça prévoyait une peine capitale et tout ça. Donc, c'est cette puissance du langage, et Deleuze le dit très bien, c'est une puissance incorporelle qui va affecter les corps, qui va changer les statuts des corps. Voilà, c'est plutôt curieux à essayer de comprendre pourquoi l'homme est soumis à cette force. Il n'y a pas de sens donc de chercher le commandement du côté de la volonté. Ce n'est pas une relation entre deux volontés. C'est dans le langage qu'il faut chercher la structure du commandement, déjà. Non, normalement, vous avez raison, on a toujours expliqué les commandements comme un acte de volonté. Mais là, c'est vraiment, comme souvent il arrive, une tentative d'expliquer une notion obscure par une autre plus obscure encore, parce que personne n'a jamais su définir qu'est-ce que la volonté. C'est vraiment un mystère.
Donc là, je suis plutôt du côté de Nietzsche. Nietzsche disait « Volonté veut dire commandement. Vouloir, c'est commander. C'est vouloir, c'est commander à soi-même. » Donc là, je suis plutôt d'accord. Donc je vais faire plutôt une critique de la notion de volonté. Et je pense que non, qu'il faut donc plutôt expliquer la volonté par le commandement que le commandement par la volonté. Parce que justement, ce n'est pas la volonté qui va accorder cette force dont on parlait, au langage, au droit. C'est la volonté de qui peut faire ça. C'est beaucoup plus... Je pense que même il faudrait remonter très en arrière au problème de l'anthropogenèse, c'est-à-dire du moment où certains animaux s'est trouvé parlant. Le vivant est devenu humain. Certains vivants, le homme est devenu homo sapiens. Voilà, qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment? D'habitude, les scientifiques ont toujours tendance à concevoir l'anthropogenèse, le devenir humain de l'homme, comme si c'était uniquement une question d'intelligence, un problème cognitif, une question d'intelligence, des volumes cérébrales. Or, c'est évidemment pas vrai, c'est vraiment une déformation des scientifiques. Quand certains animaux s'est trouvé parlant, l'événement du langage s'est produit, c'était sûrement aussi une question d'intelligence, mais c'était avant tout un bouleversement éthique, sensible, complet de toute la vie du vivant. Et donc, ce n'était pas uniquement un problème cognitif, c'était bien avant que cela un problème éthique, mais même politique, je dirais. Pourquoi? Parce que, vous savez, donc, les linguistes ont toujours cherché de distinguer le langage humain du langage animal. Et donc, on a des disputes, tout cela, mais chaque coup, il y a quelqu'un qui arrive et dit « Mais non, on retrouve cela aussi chez tel animal, et cet autre animal qui a aussi ça. » Je crois que c'est juste, les animaux ont un langage. Mais ce qui a fait la différence, c'est que les animaux ne semblent pas accorder un privilège quelconque à leur langage. C'est une activité, une forme parmi les autres de leur praxis. Ce qui définit, je crois, l'homme, c'est qu'il a mis en jeu sa nature, sa vie même, dans sa parole. Il s'est joué dans le langage. Ça, aucun animal, les animaux ont un langage, mais ils ne se sont pas joués dans ça, ils ne se sont pas mis, engagés entièrement dans cela. Et c'est ça qui définit l'homme, et c'est peut-être ça qui explique la force linguistique des phénomènes comme les commandements, les serments, les très anciennes institutions de notre culture qu'on oublie, qu'on ne se rend pas compte de l'importance culturelle, philosophique, religieuse, juridique qu'ils ont eue dans notre histoire. Mais dans la tradition scientifique, il y a un paradigme qui a essayé de comprendre l'homme comme un être langagier, c'est la psychanalyse. Mais je vois que dans votre œuvre, il y a peu de références à la psychanalyse. C'est pour éviter une confusion possible ou pour quelle raison? Ou vous accordez quelque importance à la tradition psychanalytique ou non? Mais si vous aimez Deleuze, vous auriez compris, c'était le même cas chez lui. C'est une certaine, c'est-à-dire, c'est très intéressant. L'œuvre de quelqu'un comme Freud, c'est vraiment très intéressant. Et donc, ce qu'ils ont fait, les concepts qu'ils ont développés, et les nuances, les analyses qu'ils ont faites doivent être étudiées et restent intéressantes, mais les buts de tout cela restent pour moi. Je lui fais pas confiance. Donc, vous voulez dire que ces buts peuvent être liés à la gestion de l'humain? Voilà, au fond, oui, la psychanalyse, comme d'autres phénomènes de notre culture moderne, ça vise, c'est encore une forme du gouvernement des hommes, ça vise à rendre la vie gouvernable. Et moi, j'ai une grande méfiance vers tout ce qui va gouverner la vie des hommes. Je pense plutôt qu'il faut qu'il y ait de l'ingouvernable, quelque chose qui reste ingouvernable, et qui n'est pas du tout le désordre ou la subversion, hein, mais c'est quelque chose qui échappe à l'idée que les hommes et la vie doivent être gouvernés. Et c'est dans cet esprit-là que vous utilisez quelque part la formule que dans l'avenir, donc
pourrons dire, une utopie dans le sens positif que dans l'avenir, l'homme va jouer avec le droit comme un jouet, comme un enfant joue avec un jouet, ou c'est lié à cette idée? Si, là, je me servais de cette image parce que justement, les jeux, c'est un exemple typique où on voit comment on peut désactiver, hein, rendre inopérant n'importe quel phénomène, des armes, non, les enfants jouent avec tout, il y a des armes de guerre, hein, tout devient, dans les jeux, c'est désactive et s'ouvre à un autre usage possible. Moi, ça c'est un concept qui me semble très important. Parfois, c'est paralysant quand on pense que face à une certaine alternative à celle phénomène, il faut trouver une autre chose du même ordre. Peut-être d'abord, il faut apprendre à désactiver ce qu'on a en face et uniquement après cela, un autre usage de la chose de la possible. Je fais un exemple qui me semble toujours très clair. Qu'est-ce qu'un poème? Un poème, c'est un discours, c'est un phénomène langagier, il n'y a pas de doute, ça s'est fait dans la langue, ce n'est pas au-delà de la langue. Mais qu'est-ce qui se passe dans un poème? On voit que dans un poème, l'usage normal de la langue comme instrument d'information et de communication est désactivé, rendu inopérant, et à partir de cela, un autre usage de la langue devient possible. Et c'est ça qu'on appelle poésie. Qu'est-ce que c'est le poème? Cela se fait en même temps. Dans l'instant même où on désactive les codes normaux, l'usage normal du langage, on rend possible un autre usage. Et dans les jeux, c'est ça, les jeux, les enfants jouent avec n'importe quoi, les désactivent et trouvent un autre usage qui est justement les jeux. Des transformations incorporelles que produisait le langage et qui se réfèrent quand même au corps. Mais en restant justement dans le domaine du commandement, est-ce qu'il y a que le langage? Est-ce qu'il y a même corps? Oui, ça référait quand même au corps, ça transformait le corps. Mais est-ce qu'en restant dans le domaine du commandement, est-ce qu'il n'y a de transformations incorporelles que produites par du langage? Et est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui produit aussi des formes de commandement qui ne relèvent pas du langage, mais qui sont produites par des images, par des mises en situation, par des gestes, par des rencontres? Est-ce que ça fait partie de votre domaine d'interrogation? Comme je voulais me limiter à l'examen du commandement, je vais bien préciser que j'allais analyser la forme linguistique du commandement, donc l'impératif. Et bien sûr, par exemple, chez les stoïciens, où Deleuze trouve cette notion d'événement, de transformation incorporelle, c'est pas uniquement le langage, il y a des autres aspects de l'incorporel. L'incorporel, au fond, est tout genre d'événement, quelque chose qui n'est qu'un pur événement. Qui ne coïncide pas avec tel ou tel fait, telle ou telle matière, mais c'est plutôt l'événement qui insiste. Il y a cette image de la blessure et du couteau qui tranche la chair. Mais moi, là, je me limite à une analyse du commandement dans son aspect linguistique, et aussi parce que je crois qu'il est difficile de concevoir d'autres formes du commandement. Bien sûr, les gestes, c'est la première forme du commandement non linguistique, c'est les gestes.
Mais est-ce que les gestes ne marchent comme commandement que parce qu'il a été, au fond, codifié à partir d'un commandement linguistique? Mais c'est un problème que je laisse ouvert, mais de toute façon, j'entendais me limiter, car il y a assez de problèmes là, à l'analyse linguistique. Quand, ça fait déjà plusieurs fois que vous posez la question de l'origine de la force performative du langage, bon, sans y répondre, donc j'imagine que vous voulez y répondre un petit peu plus tard, mais le détour que vous avez fait aujourd'hui par les sacrements laisse quand même bien entendre que le terme qu'il faudrait peut-être introduire, c'est le terme de croyance. Parce que qu'est-ce qui fait que ça marche ? C'est pas, il faut qu'en face, quelqu'un y croit. Si quelqu'un n'y croit pas, ça ne marche pas. Je crois que même dans la notion des croyances, l'acte de croire ou de foi, et on voit, on retrouve les mêmes aspects, les deux aspects de l'ontologie. Parce que d'habitude, on conçoit aujourd'hui l'effet de croire toujours fondamentalement d'après les premiers modèles, l'ontologie apophantique. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que, comme vous savez, l'Église a conceptualisé et défini dans les dogmes les contenus de la foi. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, on conçoit quelque chose qui relève de la foi comme croire ceci, que ceci ou cela est vrai, que le Christ est le Fils unigène, je ne sais pas comment dire en français, de Dieu. Or, cela est ridicule, dans le sens que si on voit chez Paul la définition qu'il donne de la foi, c'est évidemment pas cela. Non seulement il définit la foi, la parole de la foi, Theorema tes pistis, uniquement comme proximité entre le cœur et la bouche, mais surtout, il se trouve dans l'obligation d'inventer une forme syntactique qui n'existait pas en grec. Alors, croire en grec, c'est construit dans la forme « croire que ». Je crois que Charles est venu. Je crois que le Christ est venu. Paul ne dira jamais ça. Il dira, comme nous le faisons encore, « je crois en Jésus-Christ ». Ça, c'est une invention qu'il a fait justement parce qu'il ne concevait pas la foi d'après les modèles apophantiques. Je crois. Or, mais les dogmes a tout confondu là-bas. Et alors, il y a des gens qui se croient croyants, qui croient aux dogmes de la même façon qu'un scientifique croit à ses lois scientifiques. Ce qui fait que ce qu'on appelle les dialogues entre croyants et non-croyants est une bêtise. Parce qu'ils ne font, au fond, c'est les mêmes modèles de foi. Il y a quelqu'un qui va croire que le corps tombe selon la loi de gravitation, et puis il y a un autre, qui semble apparemment plus idiot, qui va croire que le Christ est ressuscité le troisième jour, ce qui n'avait pas tellement avec l'autre. Mais il les croit de la même façon, ce qui est ridicule. Mais au début, la foi, ce n'était pas ça. Paul ne les croyait pas de la même façon. C'était quelque chose où c'était pas une... on l'a vu, les logos apophatiques, peut être vrai et faux. Et c'est défini par son indifférence par rapport au sujet, depuis des fonds 4, indépendamment du sujet qui prononce cette phrase. Tandis que non, la foi, l'autre genre de foi, la foi non apophatique, la croyance non apophatique, n'est pas indifférent au sujet qu'elle prononce. Le sujet s'engage. C'est ce que Foucault appelait une véridiction. C'est tous les vastes champs du discours où les sujets s'engagent dans ce qu'il dit. Et donc, ces discours ne sont ni vrais ni faux. Si quelqu'un va vous témoigner vraiment d'une foi qui n'est pas une foi dogmatique, donc scientifique, au fond, cela n'aura pas, ce ne sera pas quelque chose qui peut être vrai ou faux au sens de la loi de la nature. À propos de la possibilité de désactiver la machine ontologique dont vous avez parlé, je ne cesse pas de penser à Levinas, qui est l'un des penseurs qui a justement tenté de désactiver la machine ontologique, quoique par la voie d'autrui, la voie de l'altérité, bref, la voie de l'éthique, qui est d'appeler la voie hors être, hors la logique, justement, qui essaie de contester.
Je voulais simplement savoir votre avis et cette votre façon de pas de désactiver la machine ontologique, mais plutôt de s'évader de la machine ontologique. C'est justement là une notion très importante chez Levinas, la notion d'évasion. S'évader de la notion d'évasion pour marquer, pour installer une logique de pensée hors pair. Bien sûr, dans un sens, je l'ai rencontré. Et, non, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Levinas fait ça, essaye au fond de sortir des... Bon, il ne va pas définir les des aspects de la machine ontologique, peu importe. Ce qu'il veut, c'est, comme vous dites, s'évader de l'ontologie. Et dans cela, donc, je suis entièrement d'accord avec lui. Mais ce qu'il va faire, bon, vous le savez très bien, c'est qu'il va essayer de sortir du côté de l'éthique. Donc de prendre, au fond, ce deuxième aspect du volet. Et là aussi, c'est très intéressant, très juste, mais quand même, au fond, quand il parle d'un otage, quand il parle d'autrui, en tant que du visage de l'autre, en tant qu'une prise d'otage, là, on retrouve... Donc, au fond, il va être de l'autre côté, qu'on a vu, de l'ontologie pragmatique. Et bon, et là, c'est très intéressant, mais... Pour moi, ça risque donc de tomber du côté de l'éthique en tant qu'elle s'oppose à l'ontologie. Bon, je pense alors que je vais profiter de ces silences pour entrer, pour me soigner. Peut-être le spectateur risque de croire que tout ça est trop abstrait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lier ces idées très intéressantes à la politique, au concret des gens qui nous regardent? Donc le désœuvrement, la désactivation, tout ça, comment est-ce qu'on peut en servir? Et là, par exemple, c'est une chose très précise. Je crois qu'une des graves limites de la tradition de la gauche et du mouvement ouvrier, c'était des... et partager avec son ennemi, le capitalisme, certains concepts fondamentaux, comme par exemple le concept de travail, de productivité. Hein. Il m'est arrivé souvent de discuter avec des amis, je ne fais pas de nom, qui, bien que se posant un adversaire ennemi du capital, quand même garde ces concepts fondamentaux, oui, mais l'essentiel, c'est la notion de travail, la notion de productivité, de coopération et tout ça. Voilà, moi je pense que ça, c'était une limite, et il faut par contre, là aussi, rendre sa place à la notion de désœuvrement, qui ne veut pas dire, bon, vous savez, il y a toute une tradition de la gauche, l'éloge des loisivités, tout la fague. Oui, bon, ça c'est bon, mais j'entends pas cela. Parce que pour moi, ce n'est pas ne rien faire, c'est une forme de praxis. C'est une forme de praxis qui fasse chaque fois aux dispositifs qui peuvent être juridiques, économiques, religieux, philosophiques, c'est une praxis qui va les rendre, les désœuvrer au sens étymologique, les rendre inopérants, les désactiver. Et c'est seulement à ce moment-là qu'une autre chose sera possible. Mais si on ne fait pas cela, on reste pris dans le même courant, il me semble. Donc cette notion de désœuvrement, à mon avis, on peut la généraliser. Et donc, quand je fais l'exemple du poème, je voulais dire « l'art n'est qu'une forme ». C'est une activité qui va désœuvrer, qui va désactiver le langage, le geste et tout ça. Mais la politique, c'est la même chose. C'est quelque chose qui va rendre possible un autre usage des corps, une autre économie des corps. Mais si on garde le concept central du capitalisme tel que travail et productivité, il ne me semble pas qu'on puisse jamais en sortir.
Donc moi, je vois vraiment dans cela une catégorie générale. Et en n'oubliant jamais que c'est une praxis. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Oui, parfois, ça peut être utile de ne rien faire, bien sûr, mais ce n'est pas cela. Parce que cela implique une activité, un faire. Ce n'est pas simple de faire un dispositif, de les désactiver. Je pense, par exemple, que ça peut être une raison pour laquelle, en pensant, par exemple, les sans-papiers, les migrants, actuellement en Grèce, il y a une lutte des sans-papiers et la gauche, sans doute, montre sa solidarité, mais c'est sur la base qu'ils sont des ouvriers. Ce sont des ouvriers, donc ouvriers grecs et immigrés sont des frères, tout ça. Mais apparemment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, il faut peut-être inventer un désœuvrement, une autre liaison, peut-être. Donc, les sans-papiers qui sont peut-être une forme de homo sacer, eux aussi, ne se reconnaissent pas à l'interpellation, comme dirait le sœur, peut-être, de l'ouvrier. Donc, il y a vraiment un vide là, dans cette politique de la gauche et du mouvement de solidarité. Est-ce qu'on peut dégager une idée des événements, ce qui concerne les migrants, les sans-papiers, ceux qui sont sans? Bon, là, il y a aussi un problème qu'il ne faut pas croire qu'on peut résoudre un problème, que le problème soit l'assomption d'une autre identité. C'est-à-dire, bien, les sans-papiers, par exemple, doit devenir un ouvrier avec papier. Bien sûr, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas ça, ça c'est évident. Mais est-ce que dans la situation réelle, c'est vraiment ça le cœur du problème, non? Il ne s'agit pas d'acquérir une identité qui inscrit après le corps de cet homme dans cette structure dont on parle. Donc là aussi, les revendications sont importants tactiquement, mais si ça devient comme c'est devenu une stratégie, c'est-à-dire qu'on ne vise qu'à ça, qu'on ne vise qu'à acquérir des... Alors je préfère que, contraire que tout le monde, je préfère l'idée que tout le monde est sans papier. Donc plutôt nous sommes tous des sans papiers, comme on l'a dit, qu'il faut que l'ouvrier ait ses papiers. Et bien, Dieu insiste sur la qualité d'ouvrier, parce qu'il insiste qu'on a oublié le mot ouvrier. Dans le passé, on les appelait des ouvriers immigrés, tout ça. Maintenant, il n'y a que le mot sans papier, c'est qui n'est pas bon pour lui. Donc, vous êtes plutôt... Non, là, il faut comprendre tout à fait. Là, c'est un grand problème de la tradition marxiste. Et tout vient du concept du prolétaire, comme vous savez. Non? C'est-à-dire, quelle était de classe? L'idée pour Marx, l'idée du prolétaire, c'était que c'était une, non pas une classe spéciale, mais une non-classe qui allait subvertir et éliminer toutes les classes. Mmh. Et là, je crois que Benjamin avait tout à fait raison, il y a vraiment un motif messianique. Là, Benjamin dit, ces idées de Marx sont une sécularisation de l'idée messianique chrétienne. Non? Il avait tout à fait raison, dans le sens que... vous savez que les mots « classe » viennent de la vocation chez Paul, « klesis », c'est-à-dire l'appel. Hein? Les apôtres ont reçu un appel, il faut répondre à cet appel... Donc il y a un contenu messianique dans cette idée de Bérouf. Mais voilà, ce que je voulais dire, donc c'est un problème réel. Les prolétaires chez Marx, si on les lit vraiment bien, ne peuvent pas acquérir une identité. On ne peut pas identifier, comme il s'est passé dans l'histoire, et, bon, c'était peut-être nécessaire, les prolétaires avec l'ouvrier. Le prolétaire n'est pas l'ouvrier. Le prolétaire est une figure métaphysique presque. Et quelqu'un qui n'est pas identifiable et grâce à son manque d'identité va subvertir et éliminer toutes les classes. Mais si le prolétaire devient lui-même, acquiert lui-même une identité de classe et va devenir la classe ouvrière,
Ça, c'était, on l'a vu, l'ouvrier, à un certain moment, a perdu sa fonction de prolétaire, c'est-à-dire, on le voit très bien aujourd'hui, il est intégré dans le système capitaliste et il ne veut pas changer ce système aujourd'hui. Mais là, il ne faut pas oublier, ce n'est pas la faute de Marx, c'est que les prolétaires ne peuvent pas, c'est une opérateur... métaphysique, c'est pas une identité, on peut dire le prolétaire c'est celui-là. Tout le monde peut être prolétaire et personne ne l'est. Mais si on identifie les prolétaires avec l'ouvrier, comme probablement, suivant la tradition léniniste, fait Badiou, eh bien alors on doit garder ces concepts à tout prix. Et dans ce sens, c'est peut-être l'œuvre de Rancière qui peut nous aider, parce que Rancière insiste que il a étudié les œuvres de prolétaires du 19e et il dégage l'idée que nous, on ne veut pas être une classe. C'était les bourgeois qui le classaient comme une classe, mais de leur cri ressort clairement le désir de ne pas être une classe, n'est-ce pas? Il avait aussi développé cette notion des peuples qui est quelque chose qui échappe. Oui. Qui échappe justement à toute définition. Mais là aussi, je ne sais pas si c'est suffisant. Et je crois que là, on oublie que ces problèmes qui sont strictement politiques touchent des problèmes théologiques. Là, c'est pour ça que quelqu'un comme Benjamin, qui a été critiqué pour cela, avait tout à fait raison de mélanger théologie et politique. Et on l'a regardé avec suspect pour cela. Il me semble qu'il avait raison, parce que cette idée dont j'ai parlé avant des désœuvrements, de désactiver quelque chose pour pouvoir l'ouvrir à un usage différent, au fond, le premier qui a clairement développé cela, c'est Paul, dans les lettres, dans ses épîtres. Quelle est l'idée très claire? Bon, pour le messianisme juif, la venue du Messie signifiait l'accomplissement de la loi. Telos tu nomo. Ça se dit encore comme ça en grec? Tout à fait. Paul dit le Messie est telos tu nomo, la fin, l'accomplissement de la loi. Qui pour un juif était une idée absurde, parce que pour les juifs, la Torah, la loi, est la valeur suprême. Bon. Par contre, dans la tradition messianique, dans laquelle Paul se pose, l'avènement du Messie accomplit la loi, c'est fini. Ça ne veut pas dire qu'elle a détruit. Hein. C'est de là que j'ai tiré mon mot de ce vraiment. C'est que l'avènement du Messie fait par rapport à la loi, ce n'est pas de la détruire, c'est, il emploie un verbe, je ne sais pas s'il existe encore en grec, katargeo. Ça existe encore en grec, ça vient de argos, oui, alpha privatif ergon, donc non opérant, non œuvre. Donc rendre inopérant, je ne sais pas si ça existe encore. Katargo existe dans le grec moderne, mais ça veut dire abolir. Voilà, par exemple, oui. Mais on fait ça parce que dans les traductions normales, on dit abolir. Ouais. Mais si vous réfléchissez à l'étymologie, ça vient de argos, qui veut dire alpha privatif, oui, ergon, ça, oui. non œuvrant. Ouais. Et pour lui, c'est important. Donc, un juif ne pouvait pas dire on va abolir la loi, c'était trop. Mais on va la désactiver. On va la rendre inopérante. Elle est là, parce qu'il l'a dit. Ah, est-ce que nous, on veut détruire la loi? Non, on veut la rendre inopérante. Et je crois que c'est une notion très subtile. Et c'est là que, quand vous dites, on va jouer avec la loi, c'est un problème. Est-ce qu'il n'est pas possible un autre usage du droit? On est tellement habitué à l'idée, cette idée normative, que les droits soient normes, nécessités, obligations. Que les droits consistent à se soumettre à une norme, à un devoir. Mais est-ce qu'il n'est pas possible un autre usage de... Voilà, là, cela m'a toujours fasciné. Que voulait dire Paul quand il disait la condition messianique, la condition dont on se trouve
pour lui dans son temps, dans le temps présent, est une condition où la loi est là, mais désactivée. Mais ce n'est pas la Aufhebung hegelienne, non, c'est autre chose. Tout à fait. Et c'est étrange que vous disiez ça, parce que alors, quand Luther traduit la Bible en allemand, il se trouve avec ces mots « Katharsis ». Et quel est le mot qu'il emploie ? Aufheben. Donc, conserver et abolir. Parce que justement, Aufheben, non, c'est le mot sur lequel jouait Hegel, veut dire conserver et abolir. C'est fascinant. C'est très fascinant. Moi, j'étais très fasciné quand j'ai découvert ça, que Luther a traduit Katharsis. Mais là, j'étais parti de cela, là, on voit qu'on ne peut pas séparer. Si on fait une enquête archéologique, et moi, je suis convaincu que Foucault avait raison, la seule forme d'accès au présent passe toujours par une archéologie. Il faut toujours un geste qui remonte en arrière, pas parce qu'on aime l'histoire, le passé, pas du tout, c'est pour accéder, pour comprendre le présent. Foucault dit une chose très belle, il dit « Mes recherches sur le passé, historiques sur le passé, ne sont que l'ombre portée de mon questionnement du présent. » Et c'est un peu comme ça que... Mais je crois qu'il avait raison, on ne peut pas accéder au présent. Le présent est vraiment... Au contraire, c'est vraiment quelque chose qui nous échappe. C'est vraiment quelque chose sur lequel nous n'avons pas prise. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à vivre vraiment. On a du mal à vivre le présent. Et c'est pour ça que, oui, là, si on veut revenir à la psychanalyse, la présence, c'est très intéressant ce que dit Freud sur cela. C'est l'idée des traumas, non ? Vous vous rappelez, face à une scène traumatique, je ne sais pas, l'enfant qui voit les parents qui font l'amour et tout ça, l'enfant ou n'importe qui ne peut pas accepter cela, et donc les refoule dans l'inconscient, donc ne vit pas son présent. Il y a quelque chose qui reste non vécu. Et cette chose qui reste non vécue va rester latente et un jour va ressurgir sous forme pathologique et tout ça. Mais là, ce qui me semble juste dans cela, c'est que le présent est justement ce que nous avons du mal à vivre. C'est traumatique, le présent, c'est toujours traumatique, mais c'est pour cela qu'il faut revenir en arrière. Et c'est pour ça que moi aussi je pratique beaucoup l'archéologie dans le sens de Foucault. Là, par exemple, la recherche que je fais maintenant, c'est une archéologie du commandement. C'est un essai de revenir en arrière pour comprendre quel est le sens du commandement aujourd'hui. Mais là aussi, ce qu'on découvre quand on fait une recherche archéologique, c'est qu'on ne peut pas séparer les domaines, les champs. On ne peut pas dire « Ah, moi j'ai fait une recherche politique, je lis uniquement des textes politiques. Moi j'ai fait une recherche philosophique, je lis uniquement des textes philosophiques. Recherche théologique, je lis uniquement des textes théologiques. » Ça, c'est le grand malheur de l'université aujourd'hui, les faux spécialismes. Si on fait sérieusement une recherche archéologique, on revient dans le passé, et tout à coup, c'est comme dans les trains. On suit les binaires politiques. Il y a un échange, comme dit, qui vous pousse dans les binaires théologiques, ou bien dans les binaires juridiques, ou dans les binaires philosophiques. Et ça, on ne peut pas s'épargner cela. On ne peut pas faire l'économie de cela. Et là, c'est rare, par contre, parce que les philosophes font des livres sur les philosophes. Les juristes, des livres sur les juristes. Les théologiens, sur les théologiens. Et c'est le désastre. Une véritable recherche archéologique doit être capable de suivre ces échanges, ces moments où tout à coup on se trouve obligé, puisqu'une notion qu'on croyait politique, on voit bien qu'elle provient de la théologie, ou vice-versa, une notion théologique, on voit bien qu'elle provient de la politique. Et... Donc la vérité est souvent ailleurs, ce n'est pas là où on la cherche. Là, dans ma pratique de recherche, souvent il y a des recherches intéressantes, mais qui restent prises dans un binaire, et là, il y a pas assez pour comprendre. Parce que pour comprendre ce qu'il est en question dans ces problèmes, il faut passer dans un autre domaine. Donc la langue vous préoccupe beaucoup. Je me rappelle d'un petit texte que vous avez écrit qui s'appelle « Les langues et le peuple ». Donc...
aussi la signification politique de la langue ou identitaire. Donc vous essayez un peu de déconstruire cette connexion, cet essentialisme de la communauté humaine basée sur la langue, n'est-ce pas? Si, là je croyais que je suivais un livre de la femme des Desbordes. Mais... Non, là justement, ce qu'il faut déconstruire, c'est la tentative de lier une certaine langue à un certain peuple. Et là, c'est souvent faux, et ça peut être même complètement faux. Mais par contre, ce dont je suis convaincu, que la langue en elle-même a une signification politique. C'est ce que j'essayais de... Ce que je disais avant, quand je disais ces problèmes de l'anthropogenèse, c'est-à-dire que l'effet d'être parlant a une signification politique, une force politique, pas uniquement cognitive. Hein. L'effet qu'on réduise les langages uniquement à un problème cognitif de communication d'informations montre vraiment une insuffisance, une incapacité de comprendre ce dont il est question dans les langages. Même, par exemple, si vous voyez là, au fond, d'un certain penseur récent de la politique, ou comme le Potere Operaio en Italie, etc., on a, même chez Desbordes, la société du spectacle, qu'est-ce que c'est au fond? On a dit, écoutez, le langage, aujourd'hui, il est au centre de la question du pouvoir. La société du spectacle, c'est une société qui va se servir des médias et du langage pour le séparer et fonder son pouvoir. Et les analyses des gens comme Negri étaient justement l'idée que le langage, aujourd'hui, il est mis au travail par le capital. Mais là encore, ça c'est vrai, bien sûr, mais quand même, là encore, on réduisait, on considérait dans le langage que l'aspect cognitif. C'est-à-dire, oui, ce que Negri veut dire, bon, c'est une capacité cognitive qu'aujourd'hui les hommes ont appris, et c'est cela qui est exploité directement aujourd'hui par les pouvoirs, ce qui est absolument vrai, mais il ne faut pas oublier, le langage n'est jamais uniquement ça. Le langage, comme on disait avant, il a un côté éthique, politique, d'acte de langage. Non, le langage a une force spécifique, c'est les commandements, c'est l'impératif, c'est les serments, c'est la prière, c'est la promesse. Et tout cela, aujourd'hui, est exploité par les pouvoirs. Faut pas croire, là c'est faux, là on se trouve, c'est pas vrai que les gouvernements aujourd'hui exploitent uniquement la fonction cognitive du langage. Au contraire, le pouvoir très habilement va exploiter toute la force pragmatique du langage, la force émotionnelle, persuasive, impérative qu'il y a dans le langage. Je crois donc que la thèse des Desbordes et des Negri, qui est vraie, devient bien plus vraie si on comprend cet autre aspect. Donc le langage a une signification politique en lui-même. Et là aussi, c'est une chose que la tradition politique avait mis de côté. Mais moi, une autre chose que j'ai découvert dans cette recherche, c'est qu'il me semble que la machine, encore une fois, c'est toujours double, la machine philosophique ou de notre, même on pourrait dire ontologique, de notre société, est double, est une machine double. D'une part, il y a ce qu'on pourrait appeler, avec deux mots grecs, je ne sais pas s'ils sont restés pareils, un monde, une logique à l'indicatif esti. Esti. Esti, oui. On conserve la mémoire, non? Actuellement, ce n'est pas utilisé. Comment on dit pour dire est? On utilise l'infinitif, on dit ine. Donc, le ine, on utilise il est. Bon. Comme troisième personne. D'une part, une ontologie de l'ine, c'est-à-dire qui s'intéresse de comment le monde est, et c'est la science, la philosophie. Et puis, il y a une autre ontologie qui est une ontologie à l'impératif de esto. Je ne sais pas si on dit encore cela. Non. Comment on dit l'impératif soit? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'impératif du verbe être en grec. On dit deviens, yine, mais que tu dois être. Le yigneste. Donc le yigneste, yine. Le yigneste qui donc s'intéresse non pas à comment le monde est, mais à comment le monde doit être. Et c'est les droits et la religion, par exemple. C'est des mondes complètement différents. Mais ce qui s'est passé dans l'histoire de la philosophie occidentale, c'est que les premiers
aspect, c'est-à-dire comment le monde est formulé à l'indicatif, pour ainsi dire, est resté dominant. On n'a réfléchi que sur ça. Et on a complètement laissé de côté l'aspect justement impératif, commandement, promesse, prière, sur lesquels s'est fondé des choses très importantes qui étaient le droit et la religion. Et ce fait a été dans un sens très négatif parce que comme toute l'attention a été portée sur la science, sur la connaissance, sur comment le monde est, on a laissé se développer cette autre ontologie sans aucune réflexion, c'est-à-dire, et ce que je crois s'est passé dans le temps, que ces phénomènes qui étaient limités au début au droit et à la religion, donc soit comment le monde doit être, et ont progressivement étendu leur influence et même débordé au-delà des droits et de la religion, et aujourd'hui, il me semble, c'est plutôt ça qui domine, encore une fois. Donc c'est devenu un moralisme, on pourrait dire, peut-être. Si, mais c'est encore plus fort que ça, c'est les droits, la religion, les devoirs être. Oui, Kant vient complètement de là, Kant est entièrement dans cela. Mais ce n'est pas seulement l'éthique. Je crois qu'aujourd'hui, par exemple, on pense toujours la science, donc c'est une science qui appartient aux côtés de comment le monde veut connaître, comment le monde est. Mais après, il y a le problème de la technique. Et toujours on dit, mais pourquoi la science aujourd'hui devient technologie? Et même on forge en France, c'est mot horrible, la technoscience. Mais est-ce que la science est innocente? C'est la technologie qui est coupable? Mais c'est cela qui s'est produit. C'est le croisement entre ces deux grands domaines, deux grandes ontologies, la double machine dont on parlait. C'est qu'au fond, la technologie, c'est l'introduction du commandement dans la science. C'est l'introduction du comment le monde, je veux qu'il soit, sur la conception de la science, comment le monde est. Je crois que c'est ça qui s'est passé, que ce deuxième aspect est devenu tellement important, tellement dominant, sans qu'on n'ait jamais réfléchi à cela, que peut-être, il me semble, on peut expliquer la force croissante de la technologie comme un débordement de l'ontologie du commandement sur l'ontologie de la science, sur l'ontologie de l'homme. Et c'est très intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'actuellement, on est en train de voir la technologie, par exemple le GSM, le téléphone mobile, l'Internet, et les côtés serments du langage s'unir en Égypte. Donc, dans cette révolte en Égypte, il y a les mouftis qui font la prière et tout ça, et après on fait la manif et on utilise la technologie. Donc, ce qui pour l'Occident fait surgir le spectre de l'islamisme, c'est le danger islamique, tout ça. Comment vous voyez cette relation? Je crois qu'en islam, la situation dans ce sens a été toujours plus claire, parce qu'en islam, bon, moi c'est ce que les islamistes nous enseignent, les islamologues, pardon, nous enseignent, c'est que la culture, la tradition religieuse, juridique de l'islam a été toujours à l'impératif. Au début, il y a les mots « kun »,« soit ». Et là, Corbin a montré très, très bien ces choses-là. Donc, c'est la parole d'Allah. La parole d'Allah est formulée à l'impératif. Bien sûr, cela est partagé. Il ne faut pas croire. Dans le christianisme et dans le judaïsme, Dieu parle à l'impératif. Mais à côté de cela, s'est produit cette autre chose qu'on a cru dominant, qui est le côté science, savoir, etc., qui est formulé à l'indicatif. Et je crois que l'islam est resté toujours sous la prise de l'impératif. Et c'est cela que nous n'arrivons pas à comprendre. Mais c'est faux dans le sens que l'impératif, le commandement est chez nous aussi. Il ne faut pas croire que le commandement est chez l'islam et pas chez nous. Tous ces phénomènes sont très forts chez nous, mais cachés. Ils agissent sécularisés, ils agissent sur d'autres formes. Et donc l'image qu'on s'est fait de l'islam, c'est un spectre d'une réalité qui est aussi chez nous, mais dont on ne se rend pas compte. On est peut-être plus fondamentaliste que... C'est très intéressant. Professeur Gamben, merci de tout ça. C'était une discussion extrêmement intéressante.
On espère que, on attend à ce que vous publiez tout ça ou une partie de tout ça dans vos livres pour le lire, éventuellement le traduire en grec et en d'autres langues. Merci beaucoup. Bon, merci à vous.